Là, ça sera mieux, hein. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être venus. On commence le live dans quelques instants, donc je vous affiche un petit peu mon bureau, hein, parce que pour l'instant, j'ai pas encore lancé le jeu. Le jeu arrive, hein. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. J'attends juste mon collègue SCV qui va me rejoindre dans quelques instants, je pense. J'espère à lui. Là, je fais une petite annonce au niveau du Discord et je suis à vous. Alors. Alors, tout. Alors. Norgard. Je sais même plus comment ça s'écrit ça en plus, Norgard. On visite un magasin, si tu veux bien t'afficher. Ah, Norgard, voilà. Norgard. Hop. Ah, et en plus, 18 euros, oh, ça va. Alors, je suis à vous, ne vous inquiétez pas, ça arrive, hein. Dans quelques instants. Je suis juste en train de faire un petit truc et ça arrive. Bon, il est toujours pas là, il doit être sur le Discord à mon avis, en train de parler avec une chère personne. À mon avis, en train de discuter avec quelqu'un. On va l'attendre. Alors, je vais pas l'attendre 10 ans, hein. Si je vois qu'il vient pas tout de suite, j'irai faire une petite convoi, histoire de vous occuper. Ah, j'ai Spotify qui profite de faire sa petite pub. Je nomme Efren. Vous pouvez enregistrer vos chansons favorites sur votre téléphone et les écouter hors connexion. Vous pouvez les écouter n'importe où, n'importe quand, sans utiliser vos données mobiles. Il vous suffit d'essayer Premium gratuitement pendant 3 mois, dès maintenant. Vous êtes prêt à sauter le pas? Cliquez sur la bannière pour en savoir plus. Ah, le effrayé là.
Non, je disais juste, je vais passer la petite annonce pour le giveaway sur le Discord. Et non, du coup, comme je disais, comme je signifie dans le message, le tirage au sort du gagnant se fera automatiquement sur. Enfin, se fera en live. Pour pas qu'il y ait des rageux qui disent oui, mais on n'a pas vu le tirage. Donc voilà, il se fera en live. Donc du coup, je vais donner un maximum de 24 heures pour le tirage. Donc le tirage au sort sera effectué en live en compagnie de Efren. À 21 h demain. Donc je vais pas écrire demain, le 28 je crois, on est le 28 demain. Ah non, qu'est-ce que je raconte, on est le 24 demain. Qu'est-ce que je raconte comme connerie? Le 24 09. Non. Bon, zut, ça m'a fait la. Le 24-10 2019. Et ça vous a encore fait le petit. Et ça vous refait encore le petit. Parce que j'ai mis le jeu. Enfin. J'ai mis la transition sur la touche 9 du pavé numérique. Alors à chaque fois que j'appuie sur 9, ça fait la transition. Ah, c'est un live de qualité, hein, vous avez vu. Précise que c'est Northgard, oui j'ai précisé le jeu. Et que c'est un clan et un clan au choix. Ok. Et un. Hop. Sur les 4 dispo actuellement en plus sur Steam. Si tu as regardé le jeu. J'ai pas encore regardé vraiment le jeu. Donc voilà. Alors. Alors, le TS2 arrive, hein, ne vous inquiétez pas. Je le fais que le répéter, mais ne vous inquiétez pas non plus. Hop. Hop. Voilà.
Hop. Alors, on va enlever. Ouais. Ah! Juste quand j'allais rejoindre le jeu. Heureux. Moi je vais le redémarrer parce que du coup je vais être en offline. Ouais, je Bah, crois que moi là. mon jeu il a carrément crash, alors du coup j'ai dû le redémarrer. J'ai pas réussi à voir la demoiselle parce qu'elle est sur un salon local Discord, mais elle doit être absente. Et le chef de ma boîte, je le chopperai quand il sera en live. T'as lancé ton live, du coup? Oui, le live est déjà lancé depuis 15 minutes. Ah, rebonsoir tout le monde. Bon, ça va, y a que Cyberian. Salut, c'est Cyprien. Je vais switch sur ton live. Nope, j'ai posté le petit message du giveaway, donc n'hésitez pas. Oui, quand tu vas dans commande, le fond a été changé et il faut payer pour ça. Ouais, Ah ça y bon? est, j'ai fait. Alors maintenant, je relance le jeu. Ne vous inquiétez pas si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est mon jeu qui se lance. Alors, je vais me connecter et puis je vais t'attendre pour savoir qu'est-ce que tu as comme cargaison. Ah bah vas-y, hein, choisis-moi, après je me cale à toi. Non, vaudrait mieux l'inverse parce que moi, comme j'ai tous les DLC, suffit que je Ah choisis un truc que toi tu n'as pas, oui, pardon, ça va être pardon, pardon. compliqué. Alors, pourquoi j'ai pas d'image? Bon, ah si, c'est bon. Allez! Qui par ici? Oh, bah y'a qu'une personne. Alors, est-ce que je peux commencer l'autre? Non, c'est bon. On repart sur le serveur 1? Oui, je suis reparti sur serveur 1 direct. Hein. Parfait, chef. Encore, ça serait une petite map, je serais parti sur un serveur un peu moins peuplé, mais là ça va, c'est une grande map. Non, je vais pas mettre une map. Je relance le truc. Pourquoi je vais pas le mettre? Another machin, il va. Non. Launch. Ok. Voilà, active ton moteur, enfin roule un peu de temps en temps pour éviter de te faire. Parce que dans le jeu, tu pourrais FK. Oui. Ah, là, c'est déjà beaucoup mieux. C'est mieux avec l'image, un jeu idéal. J'ai chaud, j'en peux plus. Ah. Ouais, j'ai dû rallumer la clim il y a 10 minutes. Je trans. Fait si chaud que ça? Ouais, ah non, comme dirait l'autre, je transgoutais à grosse pire. Et bah. Alors, attends, déjà je me connais. Pour mettre l'heure à jour. Allez, je me connecte, deux clics. Donc au garage, hein. Je suis resté au garage. Oui, bon, moi je suis resté dans mon entreprise, je crois, voilà. Donc, ok. Ok, on peut déjà Allez. regarder qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. Je te propose du. On va prendre tant qu'à faire celle qui rapporte le plus, hein. Ouais. Alors, en contrat externe, j'ai du Bordeaux. Bordeaux, t'as dit. Oui.
Alors, je vais regarder vite fait. Ah non, maintenant toi t'as une nouvelle. T'as un niveau plus petit que moi, Ouais, parce que je merde. risquerais. Ouais, je vais pas avoir la même chose que toi. Alors, on va partir de la dernière page. Varsovie, non, c'est juste à côté, c'est pas la peine. Toi, je sais que tu peux aller jusqu'en Allemagne, donc. En Allemagne, qu'est-ce que je peux te proposer? Bah là, je peux remonter vers la Lituanie, je peux aller en Suède, je peux monter aussi. Ah, tu peux remonter en Suède? Ouais, je peux monter à Suède. Ah, parfait. Alors la Suède, je peux monter jusqu'à Stockholm. Stockholm, alors attends, est-ce que j'ai du Stockholm? Là j'ai du Karlskrona, j'ai du Kalmar, j'ai du Viageau. J'ai Calmar, si tu veux. Un petit Kalmar alors. Bah, allons-y. Attends, il est où? Il est là-haut pour des carottes, c'est ça? Ok, c'est parti. Livraison de carottes en Suède. Les Suédois, ils vont être contents. C'est ça. Allez, une bonne petite carotte, ça arrive. Alors, attends, la sortie, elle est là-bas, tout droit. Ok. Fallows, yeah baby. Hop. Moi, comme d'hab, je me connais, je vais me rater. Ouais, j'ai bougé comme ça, tu verras mieux. Non, c'est pas question de voir, c'est question que j'ai eu la bonne idée de me mettre en attelage avancé. Ah, bah oui. Donc, l'attelage avancé, en fait, pour faire simple, si t'es pas pile dans le. Voilà, c'est bon, j'y suis. Vas-y, prends la tête de course. Ça roule. Allez, on fait tout bien, les feux, les limitations de vitesse et tout. Si tu veux, oui. Ah, ben moi, donc si t'es au rouge, tu me le dis, je t'attends. Ouais, y'a pas de soucis. Allez, régulateur à 50. On sort de la ville. Je mets le régulateur à 65, comme ça tu peux me rattraper. Si il est bien. D'accord, il n'a pas marché le régulateur sur ce coup-ci. C'est pas grave. Par contre, moi je m'arrête juste vite fait à la station essence à côté. Ouais, y a pas de soucis. Parce que je suis pas dans le rouge, mais pas loin. Moi je suis tranquille, j'ai fait mon plat juste avant donc. Je peux rouler pépère. Ah putain, ça change le prix de l'essence ici, bordel. 1,18 le litre. Oh, ça va. Ça va comparer au 1,54 français, oui, ça va, oui. Allez, on est parti. Elle est à 70 parce que. Non, j'ai pas dit 71, j'ai dit 70.
Hop, Kali à 70, pépère. Alors, un petit tour en Suède. Tiens, là, non, tu es déjà allé ou pas en Suède? De mes souvenirs, non. Dans le jeu, je parle là, bien sûr. Ah non, non, je suis. Non, non. Non, non, en vrai, je me rends compte que tu aurais pu y aller en vrai aussi, hein. En vrai, je suis jamais sorti de mon pays, donc ça va être compliqué. Ah, alors moi c'est vite fait ça. Quand tu vas voir dans le jeu, ils ont vachement bien fait la Suède. Ah bah, c'est super alors. Bon, du coup, t'as comparé un petit peu ce que ça fait, comme c'était en vrai là sur des images et tout? Non, parce que non, je m'amuse pas à comparer quand je connais pas. Mais... Ok. Voilà. J'ai comparé un peu les villes que je connaissais, notamment surtout en France. Bah, du coup, Marseille, avec la nouvelle mise à jour, sera quand même un peu plus crédible. Après, le reste des villes, je connais pas trop. Oui, Bourges, je connais. C'est pas trop mal foutu. Limoges, c'est bien fait aussi. Mais après, le reste, je connais pas trop. Moi, j'ai. Et surtout de bouger dans des pays qui n'ont pas sur le jeu de base. J'ai beaucoup fait l'Espagne et j'ai beaucoup fait le Portugal. Ah. On voit que la meilleure connexion pour hein. T'as 15 ms de lag. Ouais, des petits. Ouais, bah. Là, après, sachant que je suis en live donc j'ai un petit peu plus ms, mais. Bon, donc moi sans être en live j'ai 38 hein. Ça va, c'est raisonnable 38 franchement. Ça se trouve à peu près à ça, on va dire grosso merdo entre 37 et 40. C'est cool la ligne droite. Tu cales le candidate, bon. Mis à part que le parallélisme des camions est mal foutu, mais sinon t'es censé régler le régulateur et tout chaud voilà. Ouais. Là, il est pas mal foutu. C'est que en jouant au clavier, c'est un peu compliqué à répondre. Youhou! Une bascule. Par ici, les aires de repos, c'est dingue, ils sont grands. Ouais, elles sont énormes. T'as l'impression qu'ils voulaient faire une station essence ici, ils se sont dit, ah bah non, on va raser tout et on va laisser la place. Ouais, ou alors des petits festivals du style Hellfest, tu sais. Ouais, bah oui, c'est ça. D'ailleurs, j'ai eu des nouvelles du prochain Hellfest. Oh. Ouais, il y aura peut-être un système infodome dans la prod. Et tous les passes 3 jours, donc à savoir 50 000 passes, ils sont partis en 12 heures. En 2 jours, pardon. C'est 20 000 en 12 heures et 50 000 en 2 jours. Ça va. Bah, à 300 balles le pass, ouais, ça va. Ah, on va croiser, non, on ne croisera pas. Alors, dommage. On va tourner. Wow. T'as manqué de te retourner, non? Non, non, c'est juste que... On ne sait pas que le virage allait être aussi... serré. Allez, 70. Donc j'ai ralenti un petit peu parce que j'ai pas osé le prendre à plein. Moi, 70, c'est du prenable. Et là, on arrive sur l'autoroute. Sur d'avant. Ouais. Pourquoi il freine, c'est quoi? What? Ah bah oui, je suis con, on arrive en ville, oui. Ah, 50?
C'est 60 maximum, mais on peut aller à 50, ouais. Voilà, là je me suis collé à 50. On va passer en plein cœur de Varsovie. Feu rouge, je m'arrête. À moins qu'il passe au vert entre temps, mais non, il passe pas au vert. Ça me laisse le temps de te rattraper du coup. Ah bah si, pas là. Voilà. Oui, souvent dans le jeu, tu t'arrêtes pour rien parce que dès que tu t'arrêtes, tu passes au vert. Est-ce que j'aurai le prochain? Non, j'aurai pas. Ou? Allez, un peu de chance, non? Ah non, non, moi je l'ai pas. On répond, hein. Allez, faut bien aligner un peu le truc. Hein. C'est vide la Pologne. Oh là, oh là, oh là, oh là, ralenti, ralenti, ralenti. Ça contient que tu vas trop vite. Voilà, ça. Encore un peu rouge. Tu vas se mettre ou pas? Non, t'as pas envie, d'accord. Ah bah ça par contre en général c'est comme dans la vie, hein. Tu prends un peu rouge, tu les prends deux. Ah merde, j'ai oublié l'état de ma cible. Encore un peu rouge. Non. C'est bon, il... On va croiser quelqu'un en plus. J'entends ton GPS en plus. Épique. Et bah je me loupe. Droite. Feu rouge. Ah pardon, oui, j'ai pas annoncé. Oh t'inquiète, ça se voit de loin, ça va encore. C'est pas comme si que je le voyais au dernier moment. Est-ce qu'on va avoir le vert? Eh ben non. Ah le... Oh le chien qui passe au rouge jusqu'en... qu'on arrive. Vas-y, recule un peu. Voilà. Ah c'est... ça c'est chien ça. Tout qui passe au rouge. C'est la vie. Hop, débrancher le casque, je pense qu'il aura assez rechargé. Du moins pas aujourd'hui. Je me suis raté, j'ai mis à 51, c'est pas grave. Il y a un radar. T'as le coucher de so... enfin le lever de soleil, non le coucher de soleil. Oui, 19h50 il se couche là. Hein. Non, Valentin, Valentin, Valentin. Voilà, 4. Oui, si à 19h50 il se lève, il y a un souci. Ouais. Oh tu sais.
ça va, t'es à 110 mètres. Je vois dans mon rétro là-bas au bout. Je vais le décaler à droite. Au cas où il y en a un qui déboule à 110. Ouais, bon. Je pense qu'on le verra venir. Hein. Wow, c'est vite fait. Hein. Le pont avec le Danube à droite. C'est peut-être pas vrai, mais au moins voilà. Hein. Nous prenons la sortie pour... Putain, encore un an à la tête. Mais sinon, j'ai compris, Michel. Ouais, toi tu freines au dernier moment comme t'es là. Non, non, c'est juste qu'il a mis du temps à freiner. Faut que j'ai toujours pas réglé l'intensité du freinage en fait. Ouais, que je durcisse un peu l'intensité du freinage. Ah, mais 70. Les petites campagnes polonaises avec les maisons à gauche. La maison. Sympathique. Oh, franchement, c'est cool. Ça manque un peu d'animaux, mais c'est cool. Ouais. J'adore. Te laisse toujours des petits véhicules à droite à gauche perdus. Ouais, les petits tracteurs. En même temps, tu veux déjà où? Le GPS qui est perdu. Oh là 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 là. Aller tout droit alors qu'à droite c'est bloqué, à gauche c'est bloqué quoi. Oh, joli la petite route à zigzag qui arrive là. Ouais. Mais bon, y'a mieux. Je t'emmènerai en Autriche ou en Suisse. Alors là, par contre, surtout n'oublie pas tes phares la nuit. Ah, t'inquiète, j'ai déjà allumé. Voilà, parce que si tu roules 15 secondes sans les phares de nuit, et bah t'es quick. Et 15 secondes, ça. Ouais, ça passe vite, hein. Très vite. Bah y'a encore pas grand monde en Pologne. Ah mais non mais... tu vas voir aussi qu'il va y avoir du monde. Ah. En Allemagne, dans le nord de l'Allemagne. Là on va jusqu'à... Je sais même plus. Le F6... jusqu'à Kalmar. Ouais, voilà, c'est ça. On prend le bateau à Gdansk.
Ah, c'est mieux quand j'ai pas le soleil dans la tronche. Ah ouais, ça éblouit un petit peu, hein. Ils ont été un peu forts, hein, sur les... Passage à niveau. Ah, et Voilà. puis... Ah, ah ouais, ok. Hop, à total train. Ah bah oui, toi t'as réussi à passer, non mais oh. Bon, attends, je me cale à 30, allez. Voilà, je me cale à 30, comme ça je t'attends. Puis le train qui prend 10 ans à passer. Ah bah ils sont où les trains là, hein? Je mets les warnings, comme ça s'il y a un mot de qui passe, il pourra rien dire. Ah ça y est, t'as repris, t'as commencé à rouler. Et ouais, c'est reparti mon kiki. T'as assez de puissance pour que j'ai pas besoin de ralentir. Ah non, mais justement, j'ai commencé à... Merde, pourquoi tu t'arrêtes? Non, moi je me suis pas. Ah. Non, non, mon camion en moi. D'accord, il a pas pris en compte mon... C'est bon là, tu l'as pris en compte? Et si, il a pris en compte. Il est... Tu l'as pris en compte mon... Ah, on rejoint l'autoroute. Ok. J'en ai bien avant les clignotants, hein, t'inquiète. C'est un réflexe que j'ai. Au moins les gens pourront pas me dire que je l'ai pas mis. Bah ceux-là, faut bien les prendre large. Je les prends toujours large, ces entrées-là. Oui, il vaut mieux. Elles sont très étroites. Le pire, c'est quand t'es en... Comment dire, t'as une remorque assez longue, bien longue. Ah oui. Ah, tu galères pas trop, hein. Putain, je me suis pris le. Fais gaffe, il y a un radar juste à l'entrée du péage. Ouais, je viens de voir. J'ai toujours tendance à me les prendre, ceux-là. Ah, dingo, moi je me suis pris. Et oui, en double remorque, moi je vais prendre limite à l'arrêt les entrées de trou. Parce que clairement en double remorque. Tu dois passer limite hein, en double remorque, je pense. Bah en double remorque, en tout cas moi, je parle pour moi. Je ne suis pas non plus un professionnel. À chaque fois je touche les panneaux. Ouais, bah oui. Allez, 80. C'est bien que je suis derrière. Ouais, ça va. Ah non. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. C'est juste que j'ai ralenti parce que je savais pas trop s'il y avait encore un radar juste après. Ah non, 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 ça va. Ça, quand t'es en ligne droite. Bon, le camion il commence à se. Non, ça va. Toujours à gauche, direction Gdansk.
Nous allons croiser un camarade à la sortie de à l'entrée de l'autoroute. Sauf s'il roule à 110. Hein. Vu comment. Vu son point, à mon avis, doit rouler assez vite. Oh non, je le rattrape, je suis à 80. Ok. Et on en a un en face. Ouais, il roule à 80 aussi. Ah, il fumier, il m'a pas répondu, je lui ai klaxonné. Non, moi non plus, je te rassure. Oh, faut pas t'arrêter. Moi je klaxonne, il répond, il répond, il répond pas, tant pis pour l'heure. Manar Gossa, ok. Mais le mec en face, a priori, il a l'air de rouler à 80 aussi, parce que. Pas l'impression. Ouais. Bah, il te distance quand même un petit peu, je trouve. Ouais, là, il te distance un peu, là. Ah, il est peut-être à 90, ça va pas. Oula, oui, tu feras gaffe, des fois j'ai des rollbacks et des save automatiques. Ouais, y'a pas de soucis. À chaque fois, à tes save, j'arrive à te rattraper juste de quelques dizaines de mètres. Quand j'ai une photo, oui, ça c'est sûr. Et lui, je confirme, là, il s'éloigne bien comme il faut. Il a décidé de mettre un coup d'accélérateur. Ouais. Ouais, parce que là il est déjà à 600 mètres pour moi, ouais c'est déjà... On est bien tous les deux. Je crois que je vais finir par me faire un deuxième PC. Un PC de stream et un PC de gaming. Oh bah tu l'as pour le stream, tiens, non? Ouais, mais le seul problème c'est que sur les gros jeux comme Breakpoint et tout tralala, voilà, je suis obligé de sacrifier la qualité graphique pour pouvoir qu'il tourne. Et étant donné que là bientôt je vais... Putain, j'ai oublié qu'il y avait le... Ah non, là il n'en avait pas, tiens. Non, il n'en avait pas, là, il ne sait pas trop plus. Et comme je sais que là bientôt je vais changer mon comment dire ma carte mère, mon proc, mes barrettes de RAM et tout, en gros tout ce qu'il faut pour juste un PC de streaming, il me resterait juste un boîtier à acheter. Après très franchement moi j'ai vu des lives sur ton live à toi. La qualité elle est largement potable. Hein. Oui oui. C'est clean, c'est fluide, c'est nickel hein. Pas besoin non plus de faire du 1080p 60fps hein. Non. Hop là, 85, non je vais aller à 80 si tu veux. Je vais aller à 81 si tu veux. Par contre à chaque fois tu me distances un petit peu plus, tu vas finir par me distancer tellement que je te verrai plus. Ah, t'es à combien toi? Bah là je suis à 80. Mais comme t'as un moteur un petit peu puissant, tu me distances à chaque fois sur les redémarrages. Ah bah oui, 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 j'ai un peu plus de pêche que toi, oui. Là t'es à 273 mètres. Ah moi je te vois à 275. Après ça va, normalement tu me vois encore sur ton écran. Oui. Tant que tu me vois sur ton écran, c'est bon. Ah, on va quitter l'autoroute. Non, moi je ne coule pas. Enfin, je dis ça parce que j'ai vu le panneau comme quoi tu quittais l'autoroute de base. Ah, oui, il y a une sortie, mais. Mais nous on la prend pas, on va tout droit. Direction 16 et 6. Désolé s'il y a des Polonais, je prononce très mal les noms polonais. Voilà, à part Gdansk et Varsovie, il y a encore que Gdansk qui ne se présente pas comme ça. Par contre, en polonais, je sais dire vodka. C'est la même chose en russe d'ailleurs, je crois. Oh. Ah, là, oui, au fond, on va sortir à droite. Ici
passé 70. Bah moi je suis déjà arrivé à 50. Oui, je suis déjà au rond-point. On remonte à 70, on va comprendre pourquoi. Ouais, 70 pour refreiner. C'est ça. Ah, c'est le ferry, bah nickel. Oui, c'est le ferry. Et puis on prend le bateau. Et vu que tu m'as dit que tu n'avais pas fait la Suède, on va prendre la destination la plus courte. Comme ça, ça fera faire. Ça fera découvrir. Feu rouge. Ça va, il dure pas longtemps les feux ici. En France, quand t'as un feu rouge, il dure trop longtemps. Ah oui. C'est même pour ça que de temps en temps, enfin, ça m'est déjà arrivé, mais c'est assez rare. Les gens qui sont juste derrière, ils te klaxonnent parce qu'eux, ils sont verts et nous pas. Ah bah, on a droit qu'à une seule destination, mais c'est vite, mais. C'est vite, vite. Allez, 40 chrona, 10h30 de bateau. Attention, on a la sortie, elle est étroite. C'est bon. Une fois que t'as passé les petites briques, ça passe. Oh bah ça va, 25 km, ça va. Ah oui, non, on est juste à côté. Hein. D'ailleurs, je sais pas si on va passer à côté de Stockholm ou pas. Tu vas voir le bordel que c'est au niveau des routes de Stockholm. Pour tout découvrir, faut faire minimum 3 fois le tour de la ville. On reste gentil, moi, c'est pas. C'est bien que je reste sur ma voie, moi. 40 chrono. Ouais. Ah, 70, du coup. Et dans 10 secondes, on repasse à 50. C'est ça. Pourtant, je vois. Voilà, on est rentré dans la vie. Découverte. Tu veux t'arrêter quelque part? Non. Oui, parce que j'ai pas envie de prendre plein de virages. Oh la vache, le truc qui a carrément été coupé. Ah moi oui, quand je suis dans l'air là. Bah quand c'est comme ça, prends bien à gauche. Ça tu le prendras bien ta virage. Là pareil, le truc aime jamais faire prendre un rond-point. Voilà, même pas monter sur le bordure, même pas toucher. 70. Ouais, ah mais pas pour longtemps, hein. C'est limité à 60.
qu'on me dise que tu veux pas. Feu rouge. Tu vois, les feux rouges en Suède, ils sont bien parce que t'as le feu rouge à droite, mais tu l'as aussi en face. Ouais, ça c'est bien, ça. Je préfère quand c'est comme ça. Tu peux avancer au maximum. C'est ça. Aux États-Unis, par contre, c'est pire parce qu'aux États-Unis, tu as le passage piéton avec et tu as le feu de l'autre côté du passage piéton. Oh, t'as bien freiné, toi. Ouais, je vais me prendre la remorque aussi. Ah, les ligues nationales suédoises, c'est 70. Voilà. Ah, pour une fois que je peux bien te suivre derrière. Merci le gros freinage. Ah. Un petit radar pas loin. On passe le radar. Des petits trucs à droite. Ouais, je sais, j'ai vu. Les nouveaux radars là. Ouais, non, mais en plus, bon, mais celui-là, j'ai parce que tu vois, ils sont discrets, ils sont fins, ils sont. C'est pas l'espèce de gros bloc carré à l'européenne là. Moche. C'est quoi, c'est un feu qu'il y a là-bas? Non. C'est juste une station. Ça. Bon, je comptais pas tourner dans l'air, moi je te rassure. Ah. Merde, j'ai failli manquer un crash alors. Ouais, non, 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 ça va. Et mon camion qui accélère. C'est normal, on est en descente, moi je suis à 87 à l'heure. Oh 90, putain. 90. Ouais, t'es encore plus puissant que moi toi. Ah bah moi j'ai un 730 ou 750 hein. Ouais. Je suis bloqué à 75 moi. Voilà, 100 à l'air, une petite pointe à 100 à l'air. Du coup tu m'as bien distancé. Et j'ai pas appuyé une seule fois sur le bouton accélération hein. Maintenant du coup je me cale à 50 que tu reviennes. Feu. Je vois ton camion. Hop là, attends deux secondes. Hop. Altab. Ok. J'ai évité les clous sur le côté. Ouais, je t'ai vu vachement près. C'est parce que mon PC il m'a fait un Altab. Tu sais, le fameux Altab de la mise à jour Windows là. Oh putain. Bah là je vais avoir droit toutes les heures hein. On vous rappelle que vous avez une mise à jour Windows encore, veuillez redémarrer. Et quand tu redémarres, il redémarre une deuxième fois et tu as le petit message de restauration de votre ancienne version Windows. Ah, shit. Il veut pas la faire. Ça fait un mois et demi, il veut pas la faire. Donc j'espère que j'aurai plus de bol sur celui du mois de novembre. En général, sur une dose 10, c'est un ralenti petit, il y a un radar.
Voilà. De toute façon, faut vraiment... Oh putain. Oh la vache. Oh la vache. Ah oui, quand même. Ah, toujours moi. Feu rouge. Tant mieux parce que moi j'ai ralenti donc ça me laisse le temps de te rattraper. Puis de toute façon, on est sur la ville de livraison. C'est ça. Calmar. 5 villes sur 27 de découvert. Touriste. Ah oui, il y a un succès avec les toutes les villes du DLC Scandinavie, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois, une connerie de genre. Montrer un truc que j'ai pas vu. Je voulais prendre le rond-point à l'envers. Ouais, je me suis dit aussi dans ma tête. Oh, joli. Regarde, il y a une jolie petite marche. Hein. Mais t'as déjà pris ton truc? Moi je vais le lâcher là, je suis au bout de la ligne droite. Allez, je vais commencer. T'as vite à le sectionner ton truc toi. À le sélectionner? Non, là il faut pas sélectionner, là il faut décharger. Là. Bah moi je clique toujours sur faire l'emplacement de déchargement. Alors, non, alors je t'explique. Tu vas dans options. Attends, vas-y, garde-toi et après je t'explique la main. Faut pas avoir à le faire à chaque fois. Parce que sinon c'est casse-couille. Parce que moi aussi au début je le faisais à chaque fois, mais du coup j'arrête maintenant. Ah. Oh, bah, je suis garé comme une merde. Tu me dis quand t'es garé du coup. Ouais, y'a pas de soucis. Alors. Que je cherche l'option pour que. T'inquiète, j'ai trouvé. Niveau difficulté de l'emplacement de livraison, stationnement, espère. Voilà. Dans options, jouabilité. Ça y est, c'est réglé. Ouais, je regarde juste certaines informations. Je vais mettre l'attelage avancé, un ralentisseur hydraulique automatique, frein moteur automatique. Alors, je te déconseille, parce que je sais pas comment ça marche, donc je pourrais pas t'aider, de mettre la pression de l'air. Oui, je sais, ça c'est casse-couille. Oh putain, dommage qu'on soit pas à Stockholm. Parce que la pression d'air, il faut savoir régler, enfin, faut savoir gérer ta vitesse correctement. Mais c'est toute une connerie. Putain, c'est dommage qu'on soit pas à Stockholm. Il y a une livraison de yacht de Stockholm-Brest. Enfin, j'ai en tout cas, toi tu vas avoir peut-être. Pour 161 000. Oh. Ouais. Allez, vas-y, je te regarde te garer. J'ai failli faire un parfait. Il va falloir juste que je fasse une petite manœuvre d'avancement.
Ah ouais, dommage. Dommage, à 1,50 m près, c'était parfait. Et voilà. Et hop. Ah oui, toi tu tapes les murs carrément pour être sûr d'être derrière, d'accord. Pourquoi pas, hein, c'est fini. Ah putain, j'ai pas encore passé de niveau 12. Bon, c'est pas grave. Prochaine. Continuez. Bon, prochain trajet. Contrat externe. Dis-moi tout. Alors, contrat externe, ça dépend, on peut aussi faire de la traction si tu veux. Oh, on verra ce qui rapporte le plus pour toi, surtout pour toi, parce que là t'as pas beaucoup de choix en fait. Alors, en traction, c'est 51 000, bah ça va être de l'externe. Bah, moi, c'est ce qui me. C'est pour Grimsby, en Grande-Bretagne. Grimsby en Grande-Bretagne, d'accord. Donc, t'as pas d'Italie, non. J'ai du Lituanie, j'ai de l'Estonie, j'ai de la Russie. Non, non, mais ça, j'ai pas, c'est le dernier DLC. Grimsby, alors j'ai Carlisle, j'ai Brême, j'ai Sheffield. J'ai Grimsby, de l'huile de moteur. Oui, j'ai aussi de l'huile de moteur. Allons-y. Bah, moi, j'ai que ça, attention, pour Grimsby. Bah, allons-y, allons-y. Hein. Ah, j'ai du. Mais attends, et ça en quoi? Ah, c'est en longueur de trajet. Attends, je vais la mettre en prix. Je vais la mettre en prix, ce sera mieux. C'est bon, tu l'as. Du coup, Grimsby, ouais, j'ai des pneus, c'est le plus cher, c'est ce qui rapporte le plus. Bah, de toute façon, on va au même endroit, donc ça va encore. Si on n'a pas la même remorque, c'est pas grave. Allez, du coup. Voilà, 30 000. Mais c'est pour toi surtout, hein. Moi j'en ai 10 mois. Ouais. Moi j'ai 1 634 000, hein, donc. la sortie elle est à droite. Et moi j'allais à gauche. Non, elle est où la sortie? Ouais. Je suis con, je fais exprès. Elle est là, d'accord. Moi j'ai carrément en sortie de ville, alors je sais pas où tu prends toi ta. Alors attends, je vais tirer ça. Là je tourne à gauche. Là je tourne à droite. Ok. Ah bah je la prends juste à côté du. Ok. Entreprise GMD, je crois. Eh merde, je viens de me taper une infraction de feu, c'est pas grave. De toute manière, il n'y a pas 36 routes, donc ça va. Normalement, tu vas revenir vers moi juste après. C'est ça, c'est chez GMT. Enfin, nous y voilà. Genre, comme si on avait roulé 3 heures. On a roulé 30 secondes. Alors, c'est laquelle? Ah non, c'est bon. Ah, quoique non, tu reviendras pas vers moi. Ah. C'est une route à sens unique. Une route où tu peux pas aller plus loin en fait. C'est, elle amène à l'entreprise où je vais chercher la remorque. Donc tu vas devoir m'attendre. Alors, regarde, t'es encore en ville là? Bah là, j'y vais pour chercher ma cargaison. Et si t'es encore en ville, on se donne un point de rendez-vous. On se donne le petit logo avec le. Avec le. Comment on appelle ça? Pour réparer. Le ouais. Logo rouge. Alors, on se donne rendez-vous là. Web. La clé à molette, putain, voilà. Wow. J'ai du mal. Ok.
Après, si je fais un contre-sens, j'ai une amende. Merde. Voilà. C'est un garage Mercedes. Ah non, j'ai peut-être pas tiré au bon endroit en fait. Non, il est juste à côté. Mais elle n'a pas marre de dire de tourner à droite, elle. Ah, allez, je suis au garage de réparation. J'attends. Voilà. J'ai mis l'attelage avancé. C'est un peu plus compliqué, t'as vu? Ouais, ça va. C'est pas plus... C'est un poil plus compliqué. Bah en fait, c'est juste qu'il faut que tout soit bien centré, c'est tout, quoi. Faut même décaler, ça passe. Ah bah t'as du bol, parce que moi j'ai boîte décalée, ça passe pas. Hein. Hop. 1394 km, sachant qu'il y a un ferry à prendre. Je vois toujours pas arrivé dans le truc de réparation. J'arrive. T'es allé la chercher où, Tarmov? Hein? T'étais loin pour la chercher là. Ah bah oui, hein. J'étais à 6 km. Ah oui, d'accord. Oui, je suis sorti carrément, moi. Mais dans les entreprises Nas Oil, d'huile. Falox, je te vois. Je sais pas si c'est dans le même sens que toi, mais que t'en as un pas très loin de toi. De toute manière, c'est qu'une route alors. T'as Mach 27. Putain, il va vite ici, il va à Mach 27. Sachant que Mach 1, c'est la vitesse de la lumière. Non, c'est le mur du son, j'ai des conneries. Fouettez-moi. En plus, j'ai des conneries. Allez, passe au vert, Coco. Je puisse pas ralentir. Non, bah il passe pas au vert. Ah bah si. Mais si, juste quand tu t'arrêtes, ça passe au vert. C'est juste pour te faire chier. Rouge, vert. Non. Non. Ouais, vas-y, commence à avancer. Hein. Ok, c'est bon. Moi, tu m'attends, je tourne à droite et je suis au rond-point. Non, mais oh, c'est pas bien ça! Je t'ai vu! Non mais c'est pas parce que t'es derrière qu'il faut en profiter. Feu rouge. Ah, toi t'as pris une remorque de LC parce que je la vois toute grise. Ah. Bah pourtant tu l'avais. De quoi? Bah l'huile de... L'huile, tu l'avais? C'est la remorque d'huile. Ah bah écoute pas, moi je la vois toute grise ta remorque. Bizarre. C'est vert. Hein. Non vas-y, tourne. Je te vois presser. Merci.
t'approche pas, moi, moi je vais aller attendre, hein, c'est moi je suis poli, hein. Oula. Ralenti, ralenti. Je pense pas que t'as un effet de vitesse. Allez, voilà, 70. Je vais même mettre les plafards. Il y a personne, autant de coups. MDR, j'ai à peine cliqué sur... pour enlever les phares, t'as le message rouge qui a pop direct. Ah bah c'est... Ils sont très réactifs sur ça. Non. J'avance assez vite pour pouvoir te rattraper et me caler à 70 ensuite. Ah ça va, t'es pas très loin non plus hein. Pas d'essence, c'est bon? Non, 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 moi je suis au 3 quarts. Moi je suis quasiment full. Ouais, t'es encore au full toi. Ok. Moi je peux faire grosso merdo un peu plus de 2000 bornes. Ah ouais? Ouais. Bon, j'ai un petit peu ralenti moi. Toi je crois que t'as pas ralenti, t'as dû foncer. Moi je l'ai pris à 70. Ce qui m'étonne même pas de toi. Oula, y'a personne devant. Hein. Et en plus, ça détruit pas la marchandise, donc faut pas en profiter. Jusque genre qu'ils feront une. Qu'ils feront une mise à jour que. Si la remorque va que. Secoue trop, boum, ça va prendre un pourcent de. Oh, mais y'a pas besoin de mise à jour. Y'a des ronds-points quand tu t'amuses à les prendre à l'envers, t'as les petits cartes là en forme de triangle. Ouais. Les trois cartes te font rien, sauf que t'en as certains, et bah ils t'arrêtent peut-être. Ah, je vais pouvoir t'attraper, tu vas ralentir un petit peu. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il va me faire là? Il va débouler tout à gauche pour bien tourner. Et c'est ça. Alors, est-ce qu'il va se retourner? J'ai un Volvo, hein. Après, comme je dis, je me permets de le faire parce qu'il y a personne en face. Y'a personne dans le coin? Bah non, on est que nous deux. Il y aurait eu quelqu'un, clairement, je l'aurais pas fait. Parce que toujours rouler dans le respect des autres joueurs et des caméras. Mais je dis, pour ceux qui veulent se tamponner, il y a des serveurs arcade qui sont faits pour ça. Ouais. Alors, les serveurs arcade, ils sont même pas limités en vitesse. Tu les roules à 180, tu roules là. Ah, nous passons à la ville de Piage. C'est Viageau, mais eux, je crois qu'ils disent Viageux. Si un Suédois est parmi nous qui nous. Mais je pense que c'est Viageux parce que t'as d'autres villes dans le même style, comme Malmö, et à chaque fois à la télé, j'entends dire Malmö. Ok. Donc si on dit Malmö, on devrait dire Viageux. Je pense. Après, je préfère les Suédoises plutôt que les villes. Hein. Ah non, c'est pas Viageau. Et à droite, il y avait l'écriture européenne, c'était Vacheau. Oh la vache. C'est encore pire.
J'ai pas vu où c'est qu'il y avait un X dans le truc, mais c'est pas grave. Là, il bronche pas dans l'immunité, hein. 70. Pareil, hein. Et là, par contre... 88. Ah, oh, mais c'est 80 maintenant. Ouais. Il s'est remis à 70. Voilà, ça a pas duré longtemps, 80. J'ai dit 71, Bouffon, j'ai dit 70. En vrai, 71, ça passe aussi. Hein. Ouais, non, mais quand je règle mon régulateur, je veux que ça bien réglé. Ah oui. Bon, là, on a une espèce de petite vadoumette en virage. Je vais prendre tout droit, hein, je m'emmerde pas. Voilà. Alors ça, en journée, le plan d'eau à gauche, il est magnifique. Tu m'étonnes. En règle générale, sur ce jeu, ils sont bien faits, les plans d'eau de ma vache. Ouais. Avec le soleil qui reflète dessus et tout. Non, franchement, ouais, ils sont bien. Les échéances du prêt d'un montant de 2888 euros ont été payées. Ah. C'est pas beaucoup par rapport à ce que tu engranges. Oh, y a du monde en Suède, tiens. Ouais, alors là, on... oh, ça m'a l'air d'être un petit convoi là. Pas sûr parce qu'ils sont bien espacés, peut-être. Ouais. Ouais, mais vu le nombre de camions qu'il y a là, je pense que ça doit être quand même un convoi. Hein. Allez, on peut faire tout le tour. J'ai failli me taper la rambarde. Bah alors. Je suis vraiment pas passé loin. Oh oui, c'est un convoi ça. Ouais. Là par contre ils sont beaucoup trop pour que ce soit pas un convoi. Ah vache. Y'a du monde. Ouais ouais c'est. Ouais la plupart elles ont à peu près la même remorque, donc oui c'est un convoi. C'est bon, le dernier que tu vas voir c'est un orange avec une remorque. Par contre, tu veux que je ralentisse ou ça va? Ça va, ça va. T'es à 250 à peu près. Ouais, parce que toi, t'as un moteur plus puissant, je te ferais dire. Hein. Non, mais c'est pour ça que je demande. Sinon, je t'aurais pas demandé, j'aurais continué à rouler à 80. Hein. Mais, je laisse pas les gens sur le bord de la route, hein, monsieur. Pardon. Après, si tu veux, je peux prendre des Ecostrat à 350 chevaux. Hein. Mais bon, là par contre, c'est toi qui risque de me mettre une. Oui. Ah, un gentil. Ah. Parce que de toute la moitié du convoi, là, il n'y en a pas un qui m'a retourné derrière. Hein. Faudrait que... Je sais pas, il y a une touche de base pour les pleins phares. Ah, ça change la vie. Tu vois mieux. Bon, après, les autoroutes en fait, c'est quand même bien éclairé. Hein. Oui. Enfin, certaines parties, pas toutes, mais certaines parties sont bien éclairées. Ah, nous allons croiser un camarade. Qui roule ou qui roule pas, c'est très dommage. Ouais, tu le dépasses. Oui, parce qu'il était sur la bande d'arrêt d'urgence. J'ai pas eu pensé que j'allais peut-être le percuter. Et
Voilà, quelqu'un s'est mis entre nous. Et qui a l'air de vouloir te dépasser. Bah écoute, s'il veut me dépasser, il a comme doublé par la gauche là. Parce qu'il te suit bien là, je crois. Ouais, ouais, mais il est en train de déboîter à gauche là. Non, mon gars, si tu déboîtes, bah c'est bien. Tiens, quelqu'un d'arrêter. D'arrêter? Ah, j'ai pas vu. J'en ai vu un traverser le pont en dessous. Celui qui traversait le pont, il était à... c'est celui qui était arrêté. Ah d'accord, je croyais qu'il roulait, autant pour moi. Alors là, prochaine sortie à droite. Direction Malmö. Top Gear qui vient de revenir sur le live. Et retop. Really, tu vas me faire freiner, mec? Ouais. Et alors? Ah putain. Je suis à 95 ans. Bon, le mec de devant moi, il va freiner à 60. Tu peux à côté? Non. Non, pas toi à côté. C'est une élection. Le laisser passer, le laisser passer. Ah, il y en a un sur la BAU, à droite, fais gaffe. Ouais. Et Top Gear vient de repartir. Au revoir, Top. On t'aimait bien. Pas grave, hein. Bonne partie de CS. Ouais, je vois ça. En tout cas, ça va. Ceux qui roulent avec. Enfin, ceux qu'on croise pour l'instant, ça va. Ils sont cool. On n'est pas encore tombé sur. Sur des cons, pour pas dire autre chose. Non, j'ai réussi à te rattraper. Direction Trelleborg. C'est là où on va prendre le bateau, je crois. Bah ça va, on a déjà fait 200 km. Ouais. On va prendre le bâtal. Un bâtal. Des bâtons. Il va falloir que je jette un petit coup pour savoir s'il y en a qui sont pensés à aller participer à ce fameux giveaway. Mais on fait comment pour participer? Ah bah, tu vas voir ça dans le channel annonce. Ah bah écoute, moi j'ai pas eu le temps, hein, parce que quand je t'ai vu connecté, je suis venu directement. En fait, le jeu est simple, faut juste que tu réagisses via une emoji. Ah, ok, ça va. Pour si dire voilà, je participe. Si c'est un clic à faire, ça va, je devrais être assez intelligent pour faire le coup. Oui, j'ai été assez simple, on va dire. On commence simple hein, pour voir un peu si les gens sont intéressés par ce genre de par ce genre de contenu. Après, il y en a deux clairement qui ne sont pas intéressés parce qu'ils l'ont déjà. Oui, bien sûr. Donc, je pense très clairement qu'il y aura que toi et moi. Mais j'espère pas parce que ça serait con. On y arrive là. Regarde le. Le nombre d'échangeurs qu'il y a pour la ville. Oh la vache. Ça va, il n'y en a pas de trop. C'est un truc de malade, et encore c'est pas le pire. C'est un truc de malade mental. J'ai plein de traits gris au milieu des jaunes, c'est moche. Parce que toi t'as dû prendre souvent les routes, donc du coup t'as plein de petits traits un peu partout. Ouais. Sauf que vu que j'ai pas pris jusqu'au bout, bah j'ai plein de grilles au milieu.
Alors attends, là, merde, il est où? Je crois que c'est tout droit ou on freine pas. Non, c'est pas tout droit. La merde, c'est où? Ah, c'est là. C'est à droite. À droite, il n'y a pas de barrière. Bon, NP, moi je m'arrête. Parce qu'en fait, c'est 1 sur 2. Donc là, les barrières n'étaient pas à droite. Et au prochain, c'est à gauche qu'on passe. J'y pique, hein. 176. Ouais, et l'autre c'est 182, je crois. Ah, on traverse carrément. On a rattrapé nos deux cas. Ouais, ce pont il est magnifique alors. Le pont avec la vue sur la ville en face. Par contre, je crois que tu m'as bien distancé là. Bah, qu'est-ce que tu fous? Ah, tu t'es arrêté, merde. Bah oui, je l'ai dit en plus. Oui, mais j'avais zappé, pardon. Bah écoute, je vais ralentir à la fin de la descente. Hein. Là, je suis en pleine descente. J'allais dire en plus, ouais, cool, on a rattrapé nos potes. Bon, là, je suis en plein tunnel, donc je peux pas m'arrêter. J'espère qu'il n'y a pas de radar. Non. Je suis un peu à 105. Ah, mais du coup, il n'y a pas de soucis, hein. Voilà. Moi, du coup, je suis en train de ralentir. Voilà, quelqu'un qui peut me rattraper. Quoi? Regarde, je vais faire encore mieux, je vais faire un autre par la façon. Je sors de la station essence. Et voilà, il est à 80. 79, pas en fait. Bon, bref, quand il voudra se mettre bien, il mettra bien. Donc là, nous avons traversé les deux villes du Danemark. Super, avec un joli pont. En finale. Ce sont Copenhague et Odense. Il y en a un peu plus au nord, hein, mais on les fera pas. Et dans pas longtemps, nous traversons la frontière allemande. Avec cet accent dégueulasse. Un radar. Je suis juste pile poil bien derrière toi. Ah oui putain, 28 mètres, fais gaffe que j'ai pas de rollback hein. Parce que si j'ai un rollback, c'est toi qui prends tout. Hein. Moi je prends zéro. Hein. Péage. Ah, alors là on passe à gauche on ne s'arrête pas. Excès de vitesse, merde. C'est pas grave. Ah, toi aussi je suppose. Ah là tu s'es arrêté. Ah quel nul. Et t'as vu 234 euros le péage là. Ouais. Thank you.
mange pas la barrière du milieu hein, non plus. Parce que là, je te vois que t'es bien sur le côté. Non, non, t'inquiète, je vois encore la ligne blanche dans mon rétro, donc c'est bon. T'as vivement que je passe à sur un moteur un peu plus puissant, parce qu'à chaque fois dans les montées, tu me... Eh ben moi, mon truc à 80, il bronze pas. Hein. Avec le régulateur, il bronze pas à 80. Bon, là, par contre, j'accélère. Bah oui. Oh, ça va, petite accélération. Je suis monté à 90. Attention, quelqu'un arrive. Rabats-toi. Ben non, moi je reste à gauche, tant pis, bouge. Un deuxième. S'il veut, il bouge, hein, c'est pas un problème. Hein. Ça va parce que il y a juste pile poil l'espace pas entre toi et moi pour faire passer un camion. Oui, bah écoute, hein. Moi je roule la 80. Hein. Ils veulent faire bouger ses vitesses s'ils veulent, mais s'ils se plantent, ils assument. Bon, après, je suis d'accord, logiquement, je suis censé rouler à droite. Mais voilà. Et vu que je dérange, là, ça va aller. Malpoli. Non. Non, je parlais de celui qui vient de nous passer là à côté. Ah. Forcément, pas de toi, j'ai vu que t'avais klaxonné également. Là, nous traversons la ville de Odense. Je crois qu'on avait déjà traversé celle-là. D'accord, autant pour moi. Regarde, celle-là, c'est le bordel. Parce que celle-là, tu dois aller et à droite et à gauche de l'autoroute pour la perdre. Ça, c'est le bordel. Attention au ralentissement parce qu'on est dans la ville. Bah ouais, toujours 80. T'es sûr? Bah oui, moi c'est toujours 80. Hein. Ah bah moi je descends là. Hein. Et là je remonte. Oui, parce que... C'est bizarre. Parce qu'on vient de traverser la ville. Ok. Parce qu'en fait, à Audence, ils considèrent que l'autoroute, enfin, la ligne droite là, qui sépare le côté droit et le côté gauche de la ville, fait partie de la ville. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de villes comme ça dans le jeu, comme IRL d'ailleurs, mais il y en a quelques-unes. Pourquoi les jeux musicales, les gens. Bientôt 400 km de fait. Ouais, et il en reste encore 856. Ouais, bon, hein. Après, quand on aura pris le ferry, il en restera moins que ça. Oui, oui. Mais là, vu la gueule que ça prend, on va où déjà? Je sais même plus où on va. Pas Stockholm, mais c'est juste à côté. F6. On va à Grimsby, rien à voir, c'est en Angleterre. Ah oui, pour le bateau tu parles, oui, on va à Trelleborg. Je crois que Trelleborg, non, c'est pas Trelleborg, c'est... Un truc avec un G, c'est... Glasgow. Non, c'est en Suède, c'est... Ça va, tu t'amuses? Non, pardon, c'est pas avec un G, c'est Esberg, voilà.
Par contre, je tourne à gauche. Je viens de voir. Merci pour le décalage. C'est Heisenberg, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai confondu, mais c'est Heisenberg. Comme un grade en face. N'oublie pas qu'on tourne. C'est de temps en temps je me rapproche de toi, mais pas violemment, mais j'ai l'impression que je vais te rentrer dedans en fait. Mais non. On est censé être limité à 50 ici? Ah bon. Toujours dans les sorties de tourne. Et dans certains pays, c'est les années 40. En Allemagne, certaines sorties c'est 40. Et en Italie, les sorties c'est 40. MDR. Au lieu d'appuyer sur le régulateur de vitesse, j'appuie sur le frein. Pourquoi pas, c'est une option. Ça fera pas le même effet forcément, hein, mais c'est une option. Sinon le pote de bouleur peut-être. Bah, pour l'instant les seuls joueurs que j'ai c'est toi. Ah bah au moins c'est fait. Ouais, faudrait que je regarde pour me faire de la pub sur des forums, des pages Facebook et tout. Me faire de la visibilité. Juste Twitter, en fait, à la base, ça suffit bien. Twitter, tu mentionnes quelques bons comptes et puis ça passe. Bah, faudrait que je rementionne. Enfin, à chaque fois, je fais des tweets automatiques par Streamlabs, mais faudrait que je rajoute tout ce qui est les petits comptes de Twitch. N'hésite pas non plus à la fin de chaque live. Ah ouais, c'est quelqu'un qui joue le même jeu que toi. Ouais. Ça aussi, pour le coup, ça aide. Feu rouge. Juste quand je freine. Et ils sont chiés, ça. Donc, n'hésite pas non plus à host, voire à raid. Bon, raid non, parce qu'avec un viewer. Voilà. Raid, ça servira à rien. Mais à host, des gens qui vous mènent de toi à la fin. Ouais. À la fin de tes streams. Hop là, deux secondes. Attention, je. Général table. De toute manière, je suis bien loin de toi. Ah oui! Ah oui, ça... ah oui, tu viens de manger une barrière. Non, 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 je l'ai pas mangé, j'ai réussi à freiner avant. Bon, de toute manière, ça le ferait donc, Chico. La question c'est est-ce que je vais sortir de là? Bah, tu mets le différentiel au pire si t'arrives pas. Oui, mais comment te dire que. Je comme ça.
Hop, je vais t'attendre à la destination. Ouais, mais non, il veut pas. Que t'arrives pas à sortir? Ouais, il fait chier, non. Il fait chier. Le... Ah, ah, 4 à l'heure, peut-être que. Non, il veut pas, hein. Non, bon, bah, il veut pas, tant pis, ça va être F7, Enter, et nous en prendre une cargaison à... cela vous coûtera machin, et le voyage prendra votre livraison en cours sur annulée. Toi, ça te déporte pas trop loin? Non, je suis au garage de Heisberg, mais je t'en fais du pas. Ça va. Donc c'est pas le problème, c'est juste qu'on a maintenant pour trouver une mission pour Gunzi. Et d'ici c'est pas gagné. Alors... Ah t'as annulé carrément la mission? En contrat externe ça t'annule la mission. Ah oui, dommage. Ouais. Ah ça c'est con. Ah par contre une mission où on est à 135 km du truc, m'étonnerait. Non non mais j'ai des missions pour aller en Angleterre hein, c'est pas le souci hein. Mais du coup, je regarde laquelle je prends. Bah, je vais aller à. Là, j'en ai une pour Southampton. Et là, est-ce que j'en ai une pour Grimsby? J'ai plein de pages. Là, c'est l'Autriche. Et là, c'est la Suède. Édimbourg, non, c'est en Écosse. Non. Non. Liverpool. Attends, tu vas où toi, on a dit? Grimsby. Ouais, tu vas à Grimsby, donc moi je vais aller à. Et bah hop, c'est bon. Parfait. Je vais aller un peu plus loin que toi, moi je vais à Liverpool. Quelqu'un vient d'apparaître avec une double remorque. T'inquiète. Alors, F5. Non, par contre, t'es gentil, mais tu mets la caméra à droite. Voilà. Allez, donc moi je vais. Tiens, je supporte pas les caméras qui bougent. Ok. Mais lui aussi, il a cru que c'était. Donc, moi je vais encore. De quoi? Moi je suis dans le port vu que j'étais en face du port. T'es où toi du coup? Bah moi je me suis déjà téléporté hein. Ah d'accord, alors attends, mais bon, j'arrive. Je prends ma... Va trouver une remorque dans un port. Peut-être par là. Ouais, c'est par là, ok. Bah oui, on a fait 20 mètres de balade. Ouais, putain. Je me dépêche pour prendre ma... Je supporte pas ces altables, sérieux. Hop, normalement, je pile dedans. Voilà, c'est bon, je vais prendre le bateau.
Non, c'est pas vrai. Deux. Tournez à gauche. Vous devez débloquer le différentiel, mais je m'en fous. Ah, tu l'avais mis, mais ouais. Allez, entrez. Direction Hull. Ah, je me disais qu'il manque Hull dans la carte. Non, pardon, je vais jeter le mot. Espace. Je crois qu'elle est à droite, la sortie. Oui. Ah putain, ça c'est pareil, je supporte pas. Tu fais du rasmote avec le mur, ça fait le malade. Oh, ok, bon, nous, écoutez où toi? Ah, t'es derrière moi, d'accord. Oui. Pardon, je t'avais pas vu. Mais du coup, par contre, je vais te laisser aller devant. Parce que moi, je vais plus loin que toi et toi, tu t'arrêtes avant moi. Donc, quand on aura pris le rond-point, je te laisserai passer. Voilà, tu restes allé à gauche, tu les dépasses par la droite, c'est parti. Et il ralentit ce coup. Ok. Voilà. Quelqu'un arrive en face. Ah, je suis perdu. J'ai perdu. Du fait que je suis plus bonne level, j'aurais peut-être une livraison, tu vois. Ah oui, mais de toute façon, moi, Manchester, enfin, Liverpool, c'est pas loin d'avoir. Parce qu'en Angleterre, t'as vu, en moyenne, t'as 2 ou 3 villes collées. Donc c'est une des, c'est une de ces villes-là. Donc elle sera rapide, hein. Ouais. Une livraison. Si tu trouves un Grimsby Liverpool, ce sera rapide, hein. Forcément derrière moi. Bah oui. Bah, au moins je suis derrière quelqu'un. Ah, on sort pas, d'accord. Je savais pas que c'était une sortie, donc tu vois là. Non, parce que moi je sortais justement là. Ah, ok. Ouais, donc ça va te faire allonger alors. Je m'en fous, c'est pas grave. Ça me rallonge du merde. Par contre, je vais ralentir un poil. Oh, c'est 97. Bon, ça va, on peut avancer. C'est. L'Angleterre, c'est l'autoroute où tu peux aller plus vite. Bah, je suis limité à 90, donc voilà. Le sacré bon quand tu rentres sur le pont. Ouais, le rebord il est méchant.
Je sais pas s'il y a un radar sur ce pont. Oui, tous les trucs jaunes que tu vois en haut, c'est des radars. Ah ok, ça va alors. Je me Parce suis pas que fait tout pi... le pont, tout le pont est du métal. Et tu en as à toutes les entrées de ville en Angleterre. Allez, c'était le dernier. Une belle petite corbe. Désolé, hein. Vas-y. Non, mais c'est juste que, voilà. C'est juste que sinon, je te connais. Donc... Ah bon? De quoi? Bah parce que dans les virages j'avais plus vite que toi en fait. Ah oui. Parce que moi je suis arrivé à le prendre à 90. Par contre c'est pas simple, je sais pas si on sort ou pas. Par contre c'est où tu me dépasses ou tu restes derrière moi parce que là on va tourner hein. Non mais justement c'est pour ça que je te dis je te laisse passer. Mais il faut mieux le temps de décélérer, hein, je vais pas freiner d'un coup. Ah, on va croiser quelqu'un, sauf s'il prend la bretelle. Il prend la bretelle. Ben c'est bon, on le croise justement. Putain, mal poli. Putain, mal poli. J'ai bien fait que si parce que moi j'avais plus le droit là. Là, ça me rajoute 18 minutes. Une heure 7 et 18, ça fait 1h25. Mais ouais, toi régulateur qui s'est pas mis. Hein? Ah, quand même. Ralentissons, parce que là j'étais à 90, et comme je vois qu'il y a des radars. C'est loin de la amende du feu rouge. J'avoue. Concessionnaire Iveco. Ok, ça pue. À gauche là? Ouais. Ouais donc tu vas double gauche. Et ben non, je vais à gauche, c'est en contre-sens. Allez, no collision zone. Bon, à part contre les poteaux bien sûr. Moi je me mets dans le sens de la marche. Et voilà.
Donc c'est si tu trouves, c'est du Liverpool. Ah bah j'ai mon pote qui est sur le truc, j'irai le voir. J'irai le voir quand on aura fini. Pardon. T'as trouvé un Liverpool, c'est bon? Attends, parce que là je suis en train de garer. Ah pardon. Oui, parce que moi je livre ici. Mais non, je croyais que t'avais fini de te garer. Parce que vu l'espacement, waouh. Attends, je vais mettre en caméra externe. Allez, je te regarde te garer. Ouais, voilà, j'ai juste un petit peu fait de la merde. Hop, voilà. Et là, j'ai plus qu'à avancer pour dire d'être un minimum droit quand même. Voilà. Hop, d'être là. Deux secondes, message privé de Nanae sur Discord. Ah. Pour dire que tout va bien normalement. Ouais, 22h20, elle a envoyé un message à 23h. What? Liverpool, c'est ça? Ouais. Liverpool. Allez hop, je vais la prendre. Ah bah c'est ici aussi. Attends. Bah elle est où? Bon bah... Le petit est en surveillance pour la nuit. Ah. Ouais. T'as pris ton truc? Ouais bah là je vais la prendre. Ouais, il le garde parce que depuis tout à l'heure il est sous le doliprane et la fièvre elle baisse pas. Ah, faut que je me décale un petit peu. Putain. Voilà. Prochaine station essence, je devrais m'arrêter. Hein. Ça roule. What? Ah bah oui, je suis con. Si j'appuie sur E, ça risque pas de. Si t'étais à ton moteur, forcément. Non, je tourne après à droite et je roule dans le bon sens. Rouge. T'es aussi à feu rouge? Oui. Ah bah moi aussi. Parce que il passe au vert. Bye. Et là je roule doucement comme ça t'as le temps de passer. Oh de toute façon avec le rond-point. Non, le rond-point là je le prends à 50 ans. Normal, en temps normal. Ah ça y est tout est inséré. Ok. C'est parti mon kiki.
Par contre, on va essayer de rouler trop vite pour pas prendre le radar. Oui. C'est bon. T'as eux, c'est 48, c'est pas 50. Ouais, ils sont space. 2 km de plus, hein. Merde, hein. Ils auraient pu mettre 50. Moi, je suis calé à 80. J'essaie juste de me rapprocher de toi avant de me caler. Non, non, mais vas-y, de toute façon, bah là, je suis sur autoroute, donc je reste à 80 quand même. Comme ça, toi, tu peux monter à 90 et tu montes. Ouais. T'inquiète, je calcule tout. La dernière livraison de cette soirée. Ok. En tout cas pour moi. Pas de souci. Comme ça, j'en profite après le live, j'irai voir Bob, le patron de la boîte où je suis. Je lui parlerai de toi. Ouais. Bah, y a pas, n'en a pas un là de comment dire, de votre équipe qui live. Le boss, donc tu viendras sur son live directement. Au pire, je vais le host, hein. Ça lui fera peut-être plaisir. Pas de soucis, ça marche. Je te donnerai des mots quand on aura fini le truc. Par contre, du coup, moi je dois accéder. Ouais. Ah, il est 90. Mais pourquoi il veut pas se mettre le réduit, le bordel? Il dit 90. Merci. Bon, on va aller sur la voie du milieu, parce que pas. On va direction chef et wing. Contre-temps juste avant le port. Prochaine petite, on sera à gauche. Et à la sortie d'une station essence. Nickel, je vais pouvoir faire mon plein. Ouais. Parce que là je dois être à la limite d'atteindre la réserve. Ah ouais, c'est quoi, c'est du 1 voie ou du 2 voies? C'est du 2 voies, c'est du... Putain, j'étais à la limite de les toucher, les barrières. C'était bien sympathique, mais... J'aurais préféré... Enfin, j'aurais préféré pour l'ambiance, qu'il y a un peu plus de monde qui roule, mais... Ouais, bah oui. Ah, allez, go. On est reparti, c'est vrai.
bois du milieu parce qu'on sort pas. Direction Manchester. Et dans 2 heures, nous arrivons. C'est ça. Rémunérer du matin, ça sert un peu à rien avec la fin. Le soleil vient de se lever, c'est l'heure du petit déjeuner. La nuit est courée. Prochaine à gauche, on sort. Ah, Top Gear qui se décide à mettre un petit message dans le chat. Ah. C'est bien, 10 minutes avant qu'on termine. Que tu termines. C'est ça. moi, je vais rester sur le jeu encore, mais. Bon, sinon, Top Gear, se passe bien tes games de CS ? Ou tu te fais laminer ? Les meilleurs savent se faire attendre, hein. Ah, on garde toujours le meilleur pour. J'ai rank up, mais je suis un peu haché aujourd'hui, on me carry. Ah. Ah, déjà t'as rank up, c'est pas mal. Quel rang? Tier 12, non, je rigole. Heureusement j'arrive à la fin alors. C'est ça. Bah demain... Ah bah Steam! Merde, je pensais que c'était Top Gear. Hein? Bah alors? Tu connais un peu les rancesses? Oui, je les connais. Bon alors, cette soirée, Steam. Tout va bien? Pas trop de grave? Pas trop de grave, c'est français ça. Oui, je sais pas être français. Faut poser bien la France, mon ami. Silver Master Elite en 5C5. G. À part 5C5, j'ai rien compris. Oui, c'est le Fer Master Elite, ouais, tu m'étonnes. Faut connaître CS. Et Master Guardian Elite en 2C2. Bon, ça va. Respectable. Bientôt arrivé, plus que 70 km. Nous entre 75 pour moi. Oui, 75 également. Ah, d'ailleurs, il y a un bug au niveau du GPS. Ah bon? Ah, ça y est. T'as vu un bug? Non, non, c'est que j'ai resté à un moment à 75. Ah. C'est la même chose, peut-être. À droite. La ville est mieux, on ne sort pas. C'est la ville d'après. Le petit reste à l'auto avec sa mère, je peux pas rester moi. Du coup demain je bosse pas.
Du coup, ouais, demain je bosse pas, je remonte à l'hosto à 8h, enfin bref, voilà quoi. Et le niveau de top, ça veut juste dire caca plus. Merde. J'ai pas vu le radar, tu sais. J'ai pas vu que c'était limité à 80. Ok. Ouais. Ouais, bah ouais, du coup il le garde en observation. Sinon pas trop, pas de, comment dire, de gravité, pas de gros, c'est, en fait c'est pas trop grave, parce que quand, généralement quand il garde comme ça à l'hosto, en observation, bon après normalement c'est pas vraiment grave, mais... Je pense que c'est surtout parce que la fièvre elle baisse pas en fait. Ouais, ça a du mal à partir, tout simplement. Top Gear qui rage. Master Gadget, jamais tu atteindras ce level. Top Gear qui rage. On sera à gauche. Et ouais, je vais te voir ça. Et on est bientôt arrivé du coup. Bon bah ok. Là on enchaîne sortie à gauche et sortie à gauche. Dark Production Video quoi? LEM en solo est suprêmement dur. Oh oh. Top Gear, il va défier tout le monde. Il défie toi en League of Legends. Je sens qu'il va défier Steam sur CS. Par contre, je pense que sur CS, il se fait un petit peu laminer, je pense. Oh, je sais pas, c'est un petit moment qu'il a pas joué, je crois, mais moi. Oh, si Steam revient à son niveau qu'il dit, je pense que oui, Top Gear, il peut se faire un petit peu de sang d'encre, hein. Après, si c'est comme les vélos, c'est pas sûr. Hein. Voilà. À Et mon plus avis, finalement... après une ou deux games de chauffe, ça peut être pas mal. Ah, et le plus flippant, c'est qu'en fait, ils savent pas ce qu'il a et ils pensent pas le faire sortir demain. Ah. Ouais. Bah, j'espère que c'est juste une simple fièvre récalcitrante. Tout simplement. Mais je regardais. J'entendais un peu la fin du live quand t'as arrêté et. C'est rare de voir un enfant qui a de la fièvre et qui a toujours un petit peu mal en soi, même pas broncher en fait. Ah non, clairement, tu l'entendais quasiment pas, hein. On l'entend pas. À part c'est voilà, c'est tout. Oui, c'est ça. Bon, on croise les doigts pour que tout va mieux demain. C'est soit un petit reste de ce qu'il avait, soit comme on disait, peut-être les dents et les gencives si vraiment c'est très douloureux, quoi. Trop mauvais, c'est le même level que bronze sur le ça. Là, je crois qu'on va, ouais, on va pas à la même entreprise. Ah pardon, oui c'est vrai. C'est pas grave. Alors feu rouge. Moi je vais à l'entreprise qui est à gauche de la réparation. Mais de toute façon, c'est quoi ce qu'on va faire? Bon, je pense que je roulerai d'ici là. Mais... Si jamais je roule pas d'ici là, je vais mettre au garage. Comme ça, on se rejoint là. Si jamais je roule d'ici demain, ce que je fais. Hey, j'avais oublié que ça, c'était les petites entreprises à la con. Putain, D'accord. je dois passer de justesse. D'accord, il est intelligent mon GPS. Ah. Je suis arrivé au bout de la zone de parc. Donc je peux aller nulle part, hein, clairement. Hein. Le GPS me dit de tourner à gauche. À gauche, Force au il y a une barre. fiston. Force au fiston en tout cas, oui. S'il est comme son père, je pense que il a pas de sang dans qu'à se faire, le fiston. Ah, à chaque fois je tourne du mauvais côté.
Youpi. Il me recentre un peu quand même. Je suis garé un peu de manière de... Voilà, il est ouais, bah voilà pour moi. 394 km en 32 minutes. Ça va. Normalement, ça aurait dû être plus. Dételle. Voilà. Dételle. Excellent. Hop. Je vais sauvegarder. Hop. Bah, moi les amis, je vais m'arrêter là. Ne partez pas parce que je vais host quelqu'un. Ah, attends, ouais, je te mets le truc en vite. Pour ce soir, je vais m'arrêter là alors. Petit rappel, donc demain à partir de 18 à 20h, je pense refaire du TSE grandement, je pense, même à 100%, je pense que je vais refaire du TS2, donc multi de 18 à 20h et de 20h30 à 22h30, je ferai, je sais pas, je sais pas ce que je vais faire, peut-être reprendre Willvand ou partir sur ma Beyond Ghouls and Devils. Je verrai. Je vais sûrement essayer de venir avec toi. Ok, pas de soucis, Top Gear. Je suis classé Global Elite sur la thèse. Top Gear. Non, mais. Je t'ai mis le lien dans Wisp. En Wisp, ok. Alors. Hop, on va quitter le jeu. C'est normal les amis que nous... Ah si vous voyez quand même quelque chose. Alors... Vip, alors... Twitch. Je coupe le moteur. Alors hop. Voilà, et je vous lance le petit final, donc le petit outro du live. Et je vous hausse, restez par ici et dites bonjour la famille, on vient de la part de Falox et surtout de SCB. Non, c'est pas le streamer. Ouais, mais c'est quand même de ta part, donc disons de la part quand même de SCB. Faisons-lui plaisir. Allez, je finis le live et n'hésitez pas à aller lui dire bonjour de ma part. Ciao tout le monde. Ciao.